mes toiles dorment au musée. Des fenêtres fermées sur le monde extérieur, sans lumière, blottis là douillettement hors du temps et du bruit de la ville. Dans le noir opaque du musée, parfois je me demande comment elles vivent mes couleurs, invisibles aux yeux du monde. Picasso disait: un tableau ne vit que par celui qui le regarde. Est-ce qu'ils sont morts, mes tableaux? Ou juste en sommeil? Je les imagine de loin, dans une nuit paradoxale, comme il y a un sommeil paradoxal. Le noir est le refuge de la couleur. C'est pas moi qui le dis, c'est Gaston Bachelard, un philosophe du XXe, barbu, un peu démodé. Le refuge de la couleur. Et si c'était aussi le refuge de la lumière? Le noir comme refuge de la lumière. Le paradoxe de la lumière. La toile est sombre, peu de couleurs, du moins peu de couleurs vives. C'est une toile de l'intérieur. Le paradoxe de la lumière, le nom du tableau est déjà un paradoxe. Sans le connaître, je veux dire, sans en connaître le titre, un visiteur du musée m'a fait la remarque: waouh, quelle lumière! Et moi, prenant la personne pour moins avisée qu'elle ne l'était en réalité, j'abondais dans son sens en lui montrant les deux ouvertures d'un blanc éclatant dans la partie haute de la toile, ainsi que ces quelques taches dorées juste en dessous. Bon, la démonstration était simple, voire simpliste. En fait, son regard était plus affûté que je ne pensais. Oui, bien sûr, il me dit, mais aussi cette partie-là, en me montrant la partie inférieure du tableau. Oui, il avait tout compris. C'est le noir qui crée la lumière, comme le silence crée le bruit. Ici, la couleur sombre, un noir d'asphalte. Cette couleur est très diluée dans un médium complexe qui a la consistance du miel. Ce médium-là me permet de créer des effets de verre, de vitrail, en faisant varier juste l'épaisseur de la couche, précisément pour créer cette illusion de profondeur et de lumière. Vous l'aurez compris, non? Un des maîtres mots de ma peinture, c'est transparence.